Bienvenue, chers amis et chères amies, au premier salon des éditrices et des éditeurs neuchâtelois, neuchâteloises. C'est un grand honneur pour moi de vous accueillir dans ce magnifique bâtiment, au péristyle de l'Hôtel de Ville, où une quinzaine de maisons d'édition du canton de Neuchâtel, mais également un invité d'honneur, les éditions de l'Air, ont été conviés et participent à cette manifestation. Je vais vous présenter quelques maisons parmi les invités qui se trouvent là. Suivez-moi. Voilà les éditions Chaban. Comment pouvez-vous la présenter ? Alors, on fait de l'édition depuis 20 ans. On est basé actuellement à Auvergnier. Et en fait, on fait des ouvrages dans le domaine du beau livre, donc des ouvrages illustrés avec la photographie, souvent la photographie ancienne. On restaure de l'image. Et puis, notre domaine, c'est les récits de voyage, l'ethnographie, l'archéologie, l'antiquité, enfin, les sciences humaines de manière un peu plus générale. Vous travaillez avec des photographes, j'imagine, aussi. Je suis moi-même photographe et je travaille avec des photographes. Alors, chers amis, mesdames et messieurs, Ilir Zeldini est éditeur. Il a sa propre maison d'édition à Crécy, déjà depuis plusieurs années. Il faut aussi savoir qu'il a déjà organisé des salons des écrivains. Et c'est ensemble, je le souligne, que nous avons mené cette entreprise. Est-ce que vous pouvez brièvement nous présenter votre maison d'édition ? On est une petite maison d'édition basée à Crécy, avec tous les auteurs neuchâtelois. On est axé sur le livre jeunesse, et avec une particularité, si je peux dire aussi mondiale, c'est que nos livres, on peut les écouter. Tous nos livres jeunesse, ils ont un QR code au début, où les parents peuvent le flasher avec téléphone. Le QR code, on peut les écouter, les enfants peuvent suivre le texte. Et à la fin, ils ont des jeux à faire avec les parents, les grands-parents. Livres de jeunesse, mais aussi vous éditez pour des adultes, voilà. Des romans, on a des polars, des polars aussi, voilà. Que vous éditez. Donc c'est jeunesse avec ce que je peux dire que je suis fier, c'est qu'on met au monde des auteurs, de nouveaux auteurs neuchâtelois. Je trouve génial au fait que les lecteurs sont parmi nous et viennent nous visiter, mais ce qui est excellent, c'est de voir aussi toutes les maisons d'édition, en fait, cette création qu'on amène dans la littérature francophone et surtout suisse romande. Nous avons évidemment une maison très importante, c'est l'édition Alphil, qui sont très, très connues à l'extérieur et même du pays, qui ont plusieurs stands de par l'étendue de leur production de livres. Monsieur Pascal L, qui est un des auteurs de la maison. Votre sentiment pour cette première de ce salon des éditrices et des éditeurs ? Alors, deux points importants. D'abord, je trouve que c'est une ambiance très conviviale et chaleureuse. Mais surtout, c'est un moment de découverte. Moi, il y a beaucoup d'éditeurs que je ne connaissais pas et dont je découvre le travail à ce moment-là avec profit. Vous avez également ici des éditions musicales, Schola Cantorum, édition musicale. Vous vous occupez uniquement d'éditions musicales vous-même ? Tout à fait, moi je suis spécialisé dans la musique chorale et la musique d'orgue. Donc vous voyez, mesdames et messieurs, la richesse de l'édition de ce canton de Neuchâtel, où on passe de la littérature à la musique, aux ouvrages documentaires. Dürrenmatt Neuchâtel est dédié au comte, peintre et écrivain Friedrich Dürrenmatt. Bien sûr. Nous avons une petite édition consacrée à son œuvre picturale et littéraire. Chaque exposition est accompagnée par un cahier du centre, les grands formats qui permettent de présenter une seule œuvre importante en lien avec l'exposition qui est discutée, thématisée dans l'exposition.
Je félicite vraiment aux organisateurs et organisatrices d'avoir préparé ce salon. Et c'est clair que on aura, c'est comme une sorte de début d'une grande histoire, je l'espère, parce que je vois plein de synergies, plein de collaborations qui puissent naître à partir d'un tel moment de partage, aussi avec la population qui est très présente. Et c'est intéressant de savoir quelles sont les questions de nos lecteurs, quelque part. Chers amis et chères amies, la visite continue. Nous allons maintenant nous approcher du stand des éditions de l'Air. Et je vais vous présenter, mais faut-il le présenter, Monsieur Michel Moret, l'éditeur fondateur des éditions de l'Air. Suivez-moi. Monsieur Michel Moret, comment trouvez-vous ce premier salon des éditrices et des éditeurs neuchâtelois ? Eh bien, c'est avec plaisir que je suis venu à Neuchâtel. Quand j'étais jeune libraire et que je m'apprêtais à devenir éditeur, je suis venu rendre visite à Hermann Hauser, Fred Uller, même une fois aussi à Henri Guillemin, pour leur demander des conseils, pour dialoguer, pour me préparer psychologiquement pour l'aventure éditoriale. Alors ici, c'est un peu je récolte un peu ce que j'ai semé, mais 50 ans plus tard, et c'est avec plaisir que je suis là et je découvre une ambiance chaleureuse, bon enfant, mais aussi avec un public exigeant et sympathique. En tout cas, c'est une édition à renouveler absolument. Un autre auteur phare de la maison, Gilbert Pinjon, je lui poserai la question. Mon cher Gilbert, quelle est ton impression ? Alors j'aime beaucoup les colonnes avec les gens qui passent et surtout les gens qui s'arrêtent. Et en plus, alors, le sommet du sommet, c'est les gens qui s'arrêtent et qui prennent un livre. Puis alors à ce moment-là, toutes les dédicaces qu'on a imaginées dans sa tête, elles sortent, quoi. Ça, c'est des bons moments. Non, c'est sympa d'avoir fait une chose comme ça ici. C'est un endroit qui est l'air de rien, qui est vivant, puisque c'est un endroit de passage. Mais encore une fois, les endroits de passage, c'est fait pour s'arrêter. Nous allons continuer, nous continuons la visite et nous arrêtons devant les éditions du Griffon. Le Griffon est une maison historique à Neuchâtel, puisqu'elle a été créée en 1944. Connue d'abord pour des livres scientifiques, elle s'est ensuite distinguée pour des livres d'art, entre autres avec toutes les éditions liées à Vasarely. À partir de là, il y a eu énormément de livres liés à des artistes contemporains, des sculpteurs, puisque Marcel Jaurès, son fondateur, était un des responsables de la Biennale de sculpture de Bienne. Et à partir de là, le Griffon a continué son essor. Après la mort de son fondateur, sa fille a vendu à M. Julien González, Alonso González, et depuis cette reprise maintenant, il y a une dizaine d'années, on collabore ensemble pour relancer le Griffon en éditant des livres d'art, en éditant des livres de sculpture et maintenant des séries de poésie. Et aujourd'hui, on a des auteurs liés à la poésie qui viennent présenter le Griffon dans cet aspect tout à fait renouveau. De poèmes, les balcons étaient comme des roses d'eau entêtantes aux éditions du Griffon. Ici à Neuchâtel, c'est le tout premier recueil d'une nouvelle collection de poésie intitulée Marge Blanche. Au XVIIIe siècle, le canton de Neuchâtel était très fertile en maisons d'édition. Il y a aussi des encyclopédies de Diderot et d'Alembert qui ont été éditées ici. Donc, ce n'est finalement qu'une continuité, comme dans tout moment historique. Des fois, les maisons d'édition plus le vent en poupe. Et je pense que c'est de bon aloi, de bon augure que ce premier salon des éditeurs et des éditrices neuchâteloises ait lieu, en fait. Donc, longue vie à ce genre de moment. Alexandre Calderin, j'écris de la poésie.
Et je suis ici avec les éditions du Griffon, qui viennent de sortir un de mes textes dans la collection Marge Blanche, qui est une collection de poésie qu'a lancé Julien Alonso. On voit la diversité de ces auteurs avec des livres très différents. Je trouve que c'est vraiment... on doit être fiers de ça. C'est un patrimoine aussi, c'est notre patrimoine. Et oui, moi, je me dis que c'est beau qu'il y ait une telle diversité, et ça veut dire que le livre a encore de la valeur, qu'on peut, aujourd'hui, où on nous parle de digitalisation, on est là avec nos livres. On nous dit des fois qu'on n'est pas, que les acteurs culturels ne sont pas indispensables. Et ben moi, je trouve que la culture, elle est indispensable, et c'est une de ces manifestations aujourd'hui. Monsieur Chapuis est musicien, il est éditeur et édition Partita participe, ça fait l'honneur de participer à cet événement. Pouvez-vous nous les présenter brièvement ? La plupart de nos publications ont un caractère didactique. C'est des ouvrages pour élèves, pour enfants ou pour apprenants. Mais on a évidemment aussi des autres choses, des choses plus avancées pour des œuvres originales. Et on va publier prochainement, d'ailleurs, on a une œuvre d'un compositeur, d'un auteur neuchâtelois, Monsieur Pantillon, qui est connu, qui a fait un arrangement ici. Et on va publier, d'ici la fin de l'année, une œuvre d'un compositeur neuchâtelois également, qui est Pierre-Henri Ducommun. Il était le directeur de l'ensemble instrumental à Neuchâtel. Voilà, nous nous dirigeons vers les éditions de La Châtière. Eh bien, je vous félicite déjà d'avoir eu cette idée de créer de réunir tous ces éditeurs de Châtelois. C'est une excellente idée. Déjà, rien que pour ça, on était contents de participer. On a créé les éditions de La Châtière avec un historien qui s'appelle Maurice Evard, et avec qui on a fait de magnifiques livres. On a commencé par des livres pour les écoles. Ensuite, on a bifurqué un peu sur l'horlogerie. Et là, essentiellement, on a fait énormément de livres de référence, des gros ouvrages qui relatent, par exemple, 10 écoles d'horlogerie. Ça, c'était avec les éditions Simonin. Et aussi, le Pays de Châtel et son patrimoine horloger. Ça, c'est 10 bouquins essentiels. Vous représentez aussi, en son absence, Madame Simonin, des éditions Simonin. Et alors, eux-mêmes, comment vous les présenteriez brièvement, les éditions Simonin ? C'est surtout axé sur l'horlogerie, la montre ? Alors, les éditions Simonin sont spécialisées dans tous les livres anciens et nouveaux qui concernent l'horlogerie du monde entier. Antoine Simonin, c'est un maître en la matière et il fait ça, il connaît son métier sur le bout des doigts. Et c'est vraiment une des plus grandes références actuelles en ce qui concerne l'horlogerie. On va encore continuer la visite. Nous allons nous arrêter devant la maison de monsieur. C'est PVH Édition, donc on est une maison d'édition qui est installée en ville de Neuchâtel. Et puis on est spécialisé dans la science-fiction, la fantasy, fantastique. On a majoritairement des auteurs suisses, mais on est aussi à l'international avec des auteurs français et belges. On est venu en lecteur curieux et je trouve que c'est une très très belle initiative. On a découvert des tas de gens dont on ne connaissait pas la production, parce que malgré tout, lorsqu'un livre paraît en librairie, on ne sait pas forcément d'où ça vient. Et Neuchâtel est rempli de gens formidables qui mettent beaucoup d'énergie à produire des livres et des beaux ouvrages. C'est un grand plaisir de venir en spectateur, d'admirer la production des autres, de rencontrer des gens. Je crois que c'est ces liens-là qui sont absolument primordiaux et qui sont nécessaires. Hein. Je crois qu'on oublie un petit peu que derrière tout ce que l'on produit, il y a des gens.
Et ces gens-là, ça vaut la peine de les rencontrer. Moi, je suis auteur, je présente mon livre « Carcinopolis » aux éditions PVH. PVH, éditeur à Neuchâtel, spécialisé dans les littératures de l'imaginaire. Et en l'occurrence, c'est un livre qui mélange fantastique, horreur, science-fiction. Votre impression de cette journée, qui est une première ? Je crois que c'est extraordinaire que l'édition neuchâteloise, qui est un vivier extrêmement fertile, puisse se rassembler, parce qu'elle se ressent, trouver ses points de ressemblance, ses points de friction, montrer sa diversité. Je trouve que c'est extraordinaire qu'on puisse, en un événement, voir tout ce qui se crée ici. L'occasion pour les diverses maisons d'édition de ce canton qui est très riche dans sa tradition éditoriale d'avoir une festivité, d'avoir un événement, une manifestation propre aux maisons d'édition. Je crois que la réponse qu'on peut donner, c'était une nécessité. Je crois que le livre demeure irremplaçable, le livre est matière, les gens ont besoin de ce contact, il est quand même aussi... Le terme est peut-être un peu théologique, il est une incarnation de la pensée et de l'esprit et de la science. J'écris très peu chez moi à mon domicile d'Auterive, par contre j'aime énormément écrire sur les bateaux. Alors je travaille avec mon PC, mes notes, sur les bateaux plusieurs fois par semaine. C'est mon rituel d'écriture. C'est aussi une forme d'hommage, même si le terme est peut-être un peu désuet maintenant, mais il a quand même une certaine actualité. C'est aussi une forme d'hommage à la tradition de l'édition qui est rendue aujourd'hui grâce à vous, mesdames et messieurs. Merci. Merci.